Pour commencer en numération en CM1, CM2, je vais vous présenter quelques situations que vous m'avez envoyées de façon à éclaircir un petit peu comment fonctionnent les fractions. Donc pour commencer, voilà un plateau qui a des graduations pour savoir en combien de parts je peux couper. Alors, c'est pas très très net, mais vous pouvez voir que vous avez des repères ici. 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est le trait de coupe de départ. Et ensuite, vous avez tout un tas d'autres graduations tout le tour du plat, pardon. Et ensuite, bah, il s'agit de savoir où est-ce que vous devez couper. Donc, évidemment, quand vous avez deux parts, donc là, je vais faire le tracé assez simplement. Voilà. Si vous avez deux parts, vous avez de part et d'autre la moitié. Ensuite, vous comprenez bien que vous avez le quart ici. Et là, normalement, ça vous fait penser à l'horloge, puisque ici, on a un quart d'heure. Ici, donc, on a une demi-heure. On pourrait aussi dire deux quarts d'heure, mais ça ne veut rien dire. Enfin, c'est pas que ça veut rien dire, mais on ne l'utilise pas. Et ensuite, vous avez trois quarts d'heure. Un, deux, trois pour trois quarts d'heure. Et enfin, vous avez le quatrième quart qui est là. Après, on peut faire des sous-divisions. Donc là, je vais essayer de trouver les fractions correspondantes. Je pense que c'est celle-ci et celle-ci. Oui, c'est pas exactement ça, mais je suis pas loin du compte. C'est peut-être pas la bonne. Alors, peu importe. Voilà, on a une fraction là et on doit avoir celle-ci également. C'est pas exact non plus mon affaire. Voilà. Donc là, j'ai fait des sous-divisions. Donc maintenant, je n'ai plus des quarts, mais des huitièmes, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. Alors 8 parties égales. Donc là, dans ma présentation, c'est pas très très précis. Mais maintenant, si je prends 2 parts, j'ai 2 huitièmes. Si je prends 4 parts, j'ai 4 huitièmes. Donc voilà un petit peu la présentation là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter d'autres situations dans les photos que vous m'avez envoyées. Donc voilà l'unité de base qui est ici, qui n'est pas encore fractionnée. Donc là, c'est une unité entière. Cette unité, nous allons la fractionner. Alors, première étape, savoir en combien est la fraction. Donc la fraction, je vais compter le nombre de parts pour savoir en combien est-ce que c'est fractionné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est fractionné en huitième. Je vais tracer pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc encore une fois, hein, c'est des situations de la vie courante, donc c'est peut-être pas forcément exact, exact, mais c'est l'idée d'avoir les fractions. Donc là, voilà, on a les huitièmes qui sont représentés. On voit en même temps que deux huitièmes, là, que je vous mets ensemble, deux huitièmes, c'est la même chose que un quart. Alors, c'est la particularité des fractions, c'est que plusieurs fractions peuvent désigner une seule et même situation, puisque les fractions, ça sert à écrire donc des situations de partage, mais c'est aussi utile pour écrire des nombres, parce que, comme je l'ai évoqué en préambule, c'est de la numération. Les fractions, c'est avant tout des nombres. Donc, différentes fractions peuvent évoquer un seul et même nombre. Donc, voilà pour le nouvel exemple de situation. Bien entendu, on peut faire encore des sous-divisions, on peut encore partager notre proposition ici. Alors, voici une situation simple. On a un jeu de cartes complet qui a été séparé en deux parties exactes. Donc, d'un côté, j'ai un demi de l'unité entière qui est le jeu de cartes, et d'un autre côté j'ai un demi. Donc j'ai un demi-paquet bleu et un demi-paquet rouge qui forment un paquet entier. Dans le même principe, on a un tiers. Donc là, il y a trois fois plus de cartes rouges. D'accord? On voit bien hein, que ce n'est pas à la moitié, c'est un cran en dessous. Alors justement, c'est Diane qui nous avait proposé cette situation. Je lui demandais si elle avait compté les cartes, parce qu'il faudrait un rapport entre les cartes, un rapport numérique entre les cartes, de façon à ce que ce soit parfaitement au un tiers. En fait, il y a trois fois moins ou trois fois plus de cartes. Ça dépend de quel point de vue on se situe. Ensuite, autre situation.
Ah, voilà, là c'est tout de suite beaucoup mieux. Donc on a une brioche découpée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc si j'attrape les deux parts qui sont là, j'ai 2 neuvièmes. 2 neuvièmes donc de la brioche. L'unité de référence, c'est la brioche entière qui est découpée en 9 parties, qui est fractionnée en 9 parties. Bien sûr, là on considère que les 9 parties sont parfaitement égales. Ensuite, ah, on va pouvoir continuer la cuisine, décidément. Donc voici des moules, alors c'est des moules en petit ourson, donc je pense que c'est pour faire des madeleines ou des petites choses comme ça, j'espère qu'on aura l'occasion d'y goûter. Cette fois, on compte donc les parties divisées. Donc j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc rapidement, vous faites 4 fois 3, 12. Donc cette fois, on est en fraction de douzième. L'unité entière, c'est ma plaque qui est ici. Si je remplis, exemple, ce premier petit, ce deuxième, voilà. Voilà. Donc là, j'en ai rempli 3. On est bien d'accord? Donc j'ai rempli 3 douzièmes. Je vais le noter d'ailleurs tout de suite. Donc j'ai 3 douzièmes. Donc vous pouvez aussi trouver des notations comme ça, hein, d'accord? Parce que sur les ordinateurs, souvent, la barre de fraction, elle n'est pas facile à faire. Alors, 3 douzièmes, ok? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que en même temps que les 3 douzièmes, on a une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes. Ça veut dire que 3 douzièmes, je peux aussi dire que c'est un quart, puisque c'est une ligne sur 4. Donc là, on est en plein dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que deux fractions peuvent exprimer à peu près une même situation. Donc là, la situation qui est exprimée, et vous pouvez voir qu'il y a un rapport entre les nombres, un quart, 3 douzièmes, j'ai 3 fois 1 et 3 fois 4, 12. Bon, ça, c'est pour la petite expression. Donc, j'ai exemple ici rempli 3 douzièmes de mon moule ou un quart de mon moule. Donc ça, c'est voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres que je pourrais faire. Je continue maintenant. Alors, cette fois, on a une petite boîte. Ça, c'est une boîte à culture, on dirait. Alors, qui ressemble d'ailleurs aussi à une boîte à œufs, mais à mon avis, c'est pour faire de la culture. J'espère qu'on aura la réponse. Ou alors, c'est une ébauche de gaufre. Ah, mais c'est dommage, ça n'a pas l'air de se manger. Alors, voici donc le partage de notre unité de référence. L'unité de référence, c'est ce petit moule-là, ce récipient. 1, 2, 3, 4, 5. OK, 5 sur 3 rangées. On est donc en 15e. OK, 15e, hein, je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Donc, on est en 15e. Donc, je sais que mes fractions de référence seront sur 15. Voilà, je vous l'écris ici. Alors, on va remplir également notre petit récipient. Hop, je me remets ici. Voilà. Donc on va dire qu'on remplit celui-là, on remplit celui-là, on remplit celui-là, et on va remplir celui-là. Voilà. Donc j'ai rempli 1, 2, 3, 4, 5. J'ai donc rempli 5 quinzièmes. D'accord? Alors, là on est dans un cas encore particulier où on peut écrire cette fraction différemment. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai un tiers de mon récipient qui est rempli. Alors je vais vous le symboliser ici. Voilà, je vais prendre une autre couleur pour que vous puissiez voir. Donc là, je vais reprendre 5, que je fasse pas de bêtises. Je vais faire comme ça plutôt. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a un tiers, deux tiers et trois tiers que je vais mettre dans une autre couleur à nouveau. Voilà. Donc là, j'ai refait des partages autres, j'ai fait des groupements qui montrent que en même temps, je peux réécrire la fraction différemment. Donc là, j'aurai un tiers. Voilà.
Donc, je récapitule. En rouge, on a fait le compte en 15e. Ce compte en 15e, là, vu qu'on est dans les multiples de 5, vous voyez, une fois 5, 5, 3 fois 5, 15. On est dans les multiples de 5. De ce fait, comme on est dans les multiples de 3, 5, on peut envisager une autre écriture de fraction, qui est ici, donc, une partie sur les trois parties que j'ai redivisées. Alors, c'est là toute la difficulté des fractions, c'est que les écritures peuvent varier. Nous, pour l'instant, on se contente de ce qu'il y a en rouge ici, c'est de 5 quinzièmes. Mais vous allez voir qu'assez rapidement, on va être amené à jouer sur les différentes écritures. Maintenant, à vous de jouer. Il y a des carreaux qui sont colorés. Par rapport à mon unité de référence, donc les carreaux qui sont représentés ici, quelle fraction représente la partie colorée que je vous montre ici avec le curseur? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Donc logiquement, vous avez identifié qu'il y avait 3 rangées de 3. Ça veut dire qu'on joue en 9e, on joue sur 9. Il y a 1, 2, 3... 4 parties colorées. J'ai donc 4 neuvièmes de carreaux qui sont colorés. Alors, pour celui-ci, un beau petit gâteau. Bon, il y a une grosse souris qui a mangé une partie. On cherche l'erreur. Il est indiqué en haut, là, que c'est 1 huitième. La partie qui a été mangée ici est 1 huitième. Alors, à vous de réfléchir, à vous de trouver... Est-ce que c'est bien un huitième qui est parti? Donc je vous laisse un petit peu de temps. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo de façon à réfléchir à comment est partagé ce gâteau. Parce que là, les parts ne sont pas tracées. Donc il faut essayer de les imaginer pour voir si c'est bien un huitième du gâteau qui a été mangé. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Bon, j'espère que vous avez vu qu'il fallait, pour trouver les parts, prolonger ici la découpe. Voilà. Et comme ça, on a un repère pour savoir que cette partie-là, eh bien, c'est la même qu'ici. Alors, vous voyez, hein, on est dans la vraie vie, on n'est pas en mathématiques, c'est pas exactement parfait. Mais bon, l'idée est là. Alors là, on voit qu'il y a cette partie-là qui est à peu près égale à celle-ci, mais on voit que celles-ci sont bien plus grandes. Alors moi, je vais essayer, voilà, de les partager en deux, à peu près. C'est parti, voilà. Et maintenant, logiquement, vous voyez que cette partie ressemble très proche à celle-ci. À quelques distinctions près, bien sûr. On est donc dans la situation où là, on n'a pas mangé un huitième du gâteau, mais on a mangé plutôt un sixième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a mangé un sixième du gâteau. Et non pas un huitième. Alors si c'était un huitième, il faudrait revoir les choses autrement. Il faudrait donc déjà couper en deux, puis en deux. Et donc c'est là qu'on voit que le centre n'est pas vraiment au centre. Voilà. Et là on voit assez rapidement que ça ne va pas. On voit bien que là il y a un problème pour avoir le huitième. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'est pas loin du huitième, mais on n'est pas au huitième. Donc voilà pour cette représentation. Donc on termine avec une situation avec plusieurs partages dans notre unité de base. Donc notre unité de base, c'est ici le plan de la gazinière en entier. Voilà. Dans celui-ci, on a... des divisions, donc on a une première fraction qui est un demi. Alors oui, je vous ai pas dit, on s'occupe pas des feux qui sont ici hein, pour la cuisson, on s'occupe vraiment de la grille. Alors, on a une première sous-division qui est en demi, on a la même chose dans l'autre sens, et si on trace les deux, cette fois on a des quarts. Un quart, un quart, un quart, un quart. Alors, maintenant, on peut aller plus loin, puisqu'il y a des divisions supplémentaires. Alors là, cette fois, je vais changer de couleur. On a cette division-là. On a cette division-là. Et la même chose, ici. Ici. Ici.
Et voilà. Est-ce que là, elle est représentée? Non. Ça ne veut pas dire que, d'un point de vue mathématique, d'un point de vue numération, elle n'existe pas, d'accord, hein? Elle est tout à fait représentable. Je vais vous la faire à peu près ici. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'en couleur, donc on a notre unité de référence en rouge. Ensuite, en rose, on a les deux demi qui forment un quart, un quart. Et ensuite, on a des sous-divisions. Donc là, il faut compter le nombre de fractions. Donc 1, 2, 3, 4. On a 4 ici, 4 ici, 4 ici, 4 ici. Donc 4 fois 4, 16. Cette fois, on a un 16e. Admettons que je colorie cette zone-là. Voilà. J'ai donc un 16e. Si je rajoute un coloriage, j'ai 2 16e, 3 16e et 4 16e. Voilà. Ici, j'ai colorié 4 16e. Mais 4 16e, c'est aussi en même temps un quart. D'accord ? Vous voyez ici. Bon. J'espère que toutes ces informations-là vont être comprises. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois les vidéos. Je vais terminer maintenant avec une petite synthèse. Donc voici la petite synthèse proposée par Diane. Alors, je commence par la plus facile. Nous avons ici un demi. Un demi, donc j'ai partagé un disque en deux. J'ai bien dit un disque, pas un cercle. Ici, on a 4 huitièmes. Donc j'ai 4 huitièmes, c'est la même chose que 2 quarts, ou la même chose que 1 demi, puisque ça reprend le coloriage du disque précédent en vert. Ensuite, en bleu. Alors, on considère que les 16e de Diane sont parfaitement égaux, d'accord? On a ici 10 16e. 10 16e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la même chose que 5 8e. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Là, j'ai refait une sous-division de ce qui est donné là. Ensuite, en 34e. Alors 34e, je pense que Diane était partie au début pour faire en 32e, puisque c'est la division de 16e encore en deux. Et en route, elle s'est peut-être emmêlée les pinceaux. Donc là, cette situation-là ne fonctionne pas forcément, puisque les parties ne sont pas égales. D'accord ? Mais le résultat est qu'on a 4 34e. Donc voilà pour cette petite présentation. Au cours de la présentation des exercices, je vous montrerai une situation où on dépasse l'unité de référence.